C'est une décision qui n'a pas fait l'unanimité. Samedi 6 mai, en marge du couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster, qui est l'un des édifices religieux les plus célèbres de Londres, un ami du prince Harry et de Meghan Markle, le photographe Nizan Nariman, a partagé sur son compte Instagram un cliché qui n'est pas passé inaperçu. Dessus, on peut voir Archie, le fils du duc et de la duchesse de Sussex, tendre la main vers un cadre accroché au mur, un portrait de la princesse Diana, sa grand-mère. Je te souhaite le plus heureux des anniversaires Archie, a écrit le photographe en guise de légende, pour accompagner cette publication likée par plus de 14,000 personnes et commentée par de nombreuses personnes. Mais si la plupart des usagers de ce réseau social semblent avoir été ravis de découvrir cette publication, en l'honneur du petit garçon qui a fêté son 4e anniversaire, d'autres ont vu l'initiative d'un mauvais œil. Dans un commentaire ferré par The Daily Mirror, un internaute a par exemple estimé que cette démarche faisait de l'ombre au roi. Supérieur à supérieur à supérieur à George, Charlotte, Louis, Archie. Les vraies stars de la famille royale Meghan Markle et ses enfants restés aux États-Unis. La journée du 6 mai 2023 sera inscrite dans tous les manuels d'histoire. Le nouveau souverain, devant plusieurs milliers de personnes à travers le monde, a prononcé de façon solennelle le serment du couronnement. Il a également reçu l'onction par le Saint-Crème, et a été coiffé de la couronne de Saint-Édouard. La reine consort, Camilla, a aussi eu droit à un couronnement. Quant aux trois enfants de Kate Middleton, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ils ont attiré sur eux tous les regards. En revanche, Archie et Lily Bay, jugés trop jeunes, n'ont pas été conviés à l'événement. Leur mère, Meghan Markle, est restée avec eux aux États-Unis. Aussi, brouillé avec ses parents, Charles III n'a fait aucune allusion à l'anniversaire de son petit-fils. Une victime collatérale. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, agence.